Cette série d'entretiens en fait, va nous permettre d'aborder euh, des questions qui sont communes euh, à la psychanalyse et aux neurosciences, que nous aborderons euh, chacune à travers l'angle de ces, ces deux disciplines. Mais ça ne va pas seulement euh, s'arrêter là, parce qu'en fait, les questions qu'on va poser, euh, elles auront, et c'est ça l'ambition de ces entretiens, euh, de toucher euh, des sujets euh, de société. La psychanalyse n'existe pas toute seule, elle existe à partir d'une clinique, ça c'est le point de vue classique, mais elle existe aussi en altérité et en affinité avec d'autres champs. Et la psychanalyse s'est construite en se confrontant en particulier pour Freud avec la biologie, avec la littérature, avec l'art, avec la mythologie, avec la théorie des religions, avec le malaise dans la civilisation. Avec la question de la destructivité, c'est-à-dire que parfois le champ social, l'art, euh, la, la science a offert une possibilité d'avancer pour la psychanalyse. Et je crois que notre perspective dans cette série d'entretiens, c'est de retrouver ce mouvement princeps de la psychanalyse qui se fait enseigner à partir aussi des avancées d'autres champs. C'est intéressant ce que tu as dit en tout premier, en fait, que Freud, entre autres, s'inspirait de la biologie, on a tendance à l'oublier. Je crois que Freud a renoncé à imaginer que la biologie de son époque, que la neurobiologie de son époque, pouvait lui donner une réponse. Et ce qu'il a fait, c'est plutôt de laisser tomber cette biologie-là en convoquant l'avenir. Alors, ce serait peut-être un peu prétentieux de dire que cet avenir est maintenant aujourd'hui, mais en tout cas, il disait que dans quelques décennies, la biologie aux possibilités extraordinaires, or, extraordinaires pourra peut-être donner les réponses que la science de son époque ne lui donnait pas par rapport à certaines questions Important de la psychanalyse. Et pour prendre, en fait, le, pas le contre-pied, mais le complément de ce que tu dis, en fait, que Freud lui-même disait, moi je dirais, en tant que biologiste aujourd'hui, c'est que l'on peut s'inspirer de manière tout à fait euh, tranchante et originale des grandes questions de la psychanalyse pour les aborder avec. Euh, enfin, pour conduire, pour diriger des recherches en neurosciences. Et finalement, euh, disons, peut-être, si on devait résumer, quels sont ces ces intuitions freudiennes basées euh, sur l'observation clinique, mais qui peuvent aujourd'hui guider la recherche en neurosciences, euh, c'est bon, bien sûr la question de l'inconscient, euh, la question de la pulsion, euh, la question de ce que lui a appelé l'au-delà du principe de plaisir, c'est-à-dire le malaise. Et ça, c'est juste pour en, en mentionner quelques-unes. Mais... Oui, c'est-à-dire on peut se dire que ce n'est pas tellement un rapport neurosciences et psychanalyse avec l'idée d'utiliser les neurosciences pour prou prouver la psychanalyse, savoir si Freud, la question qui est posée périodiquement, est-ce que Freud avait raison ou est-ce que Freud avait tort, mais c'est plutôt l'idée d'utiliser le cadre psychanalytique pour orienter de façon nouvelle certaines questions en neurosciences. C'est plutôt la psychanalyse appliquée aux neurosciences que les, les neurosciences pour prouver la psychanalyse. La première question que l'on va aborder, comment se constitue le sujet Et là, euh, là, la neurobiologie apporte évidemment quelque chose. Enfin, je dis évidemment parce que je suis neurobiologiste, mais c'est une question que l'on partage. Oui, on pourrait l'aborder différemment oui. parce que peut-être ça nous permet d'ajouter quelque chose sur notre méthode. Oui. En disant, on utilise une méthode qu'on désigne parfois comme la méthode des points de butée. C'est-à-dire qu'il y a des points de butée qui sont présents pour la psychanalyse comme ils sont présents pour les neurosciences. C'est vrai qu'une question très importante pour la psychanalyse, sur laquelle on a de la peine à universaliser, c'est l'émergence du sujet. Pourquoi chaque sujet est unique et différent des autres. C'est une question fondamentale pour les neurosciences aussi. Voilà, c'est-à-dire <laughs> que là on tombe à un point de rencontre, un point de butée commun, une interrogation commune finalement une énigme partagée entre les neurosciences et psychanalyse, par exemple sur l'émergence de la singularité. Et là, euh, les, les neurosciences ont amené euh, au cours de ces 20 dernières années euh, ces données expérimentales que l'on peut regrouper sous le terme général de plasticité du système nerveux, c'est-à-dire en quoi et quels sont les mécanismes plutôt qui permettent à l'expérience de laisser une trace et on les connaît, on va peut-être pas trop en parler au cours de ces entretiens, mais disons un point de départ et un point qu'il faudra garder je pense tout au long et qui ressortira tout au long de ces entretiens, c'est de se dire que notre cerveau est en permanence modifiée, modulée par l'expérience. Quand on aime bien le dire, on n'utilise jamais deux fois le même cerveau. Voilà, c'est Héraclite appliqué à la psychanalyse. Voilà. On ne se plonge jamais deux fois dans le même fleuve, on reste toujours le même et pourtant on change en permanence. Donc qu'est-ce qui fait qu'on reste le même si on change tout le temps Voilà, ça c'est un paradoxe. C'est une question que l'on pourra d'ailleurs peut-être soulever avec certains de nos. Euh, de nos invités. Est-ce que l'inconscient, justement, qui, euh, et ça c'est notre théorie, se construit aussi à travers les mécanismes de la plasticité, mais par des mécanismes euh, différents, disons, de ceux qui constituent euh, la réalité consciente, eh bien cet inconscient est là pour surprendre? pour introduire cet indéterminé qui nous sauve quelque part. Il peut nous, aider, nous tuer, mais il peut nous sauver aussi. Il y a deux versions de l'inconscient sur lesquelles on bute finalement. Oui. Une version qui serait l'inconscient comme système de traces, comme déjà là, l'inconscient comme déterminant, les déterminations inconscientes qui ont occupé tellement de place dans la psychanalyse, et l'inconscient, une autre version qui serait l'inconscient comme discontinuité, l'inconscient comme ouverture, l'inconscient comme écart, l'inconscient comme discontinuité dans le discours conscient, c'est-à-dire l'inconscient finalement comme facteur de liberté, comme facteur d'imprévisible. Comme facteur de, 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 de liberté. Alors, ces deux versions d'inconscient, de elles existent dans certaines théories psychanalytiques. Par exemple, Lacan a imaginé un inconscient automatone, un inconscient répétition et un inconscient tuqué, un inconscient événement. Mais je pense que cette dialectique entre déterminisme et liberté, déterminisme et imprédictibilité, est une dialectique très centrale dans l'interrogation qu'on va tenter d'avoir. Viendrait ensuite, à un moment donné, la question de l'action. Enfin, quel est le moteur de l'action C'est là où euh, euh, la, le concept freudien de pulsion, qui met en jeu non seulement, on va dire ça pour simplifier, les neurones ou les circuits neuronaux, mais également le corps, les états du corps. Joue un rôle fondamental aussi bien dans la destructivité que dans la créativité. Oui, dans la détermination de l'action. Et oui, dans la détermination oui. de l'action. Mais paradoxalement, la singularité, la discontinuité et le changement permanent, l'imprédictibilité aussi, donnent accès au pire et au meilleur oui. à la destructivité. Côté et à la créativité de l'autre. C'est-à-dire ce que l'on voit tous les jours autour de nous. On voit le pire et le meilleur quelque ouais. part. Mais euh, la question du corps est, est très importante et on va par exemple l'aborder euh, dans, dans, dans un contexte où on, on discuterait avec des acteurs ou des metteurs en scène. On a quelques idées là-dessus. Euh, parce que l'état du corps euh, est absolument déterminant dans l'expression de l'action. Pourquoi on fait une série d'entretiens avec des personnes issues d'autres champs C'est que peut-être la confrontation entre neurosciences et la psychanalyse aboutit à des points de rencontre qui sont des questions ouvertes, des points de butée, mmh. des paradoxes. Et que ces paradoxes sont peut-être le signe de quelque chose qu'on doit penser différemment. À creuser. À creuser, qui est en transformation. Ce n'est pas qu'on va appliquer un savoir préétabli. Ni donner des leçons. Ni donner des leçons. C'est qu'on va se faire enseigner sur une série de questions. Et finalement, en partant de ces quelques questions euh, freudiennes, qui peuvent aujourd'hui être éclairés par les neurosciences, ou plutôt qui peuvent orienter la recherche en neurosciences, on voit qu'assez spontanément on tombe sur ces questions de société, ces questions, enfin c'est pas surprenant finalement, de l'humain, et que l'idée c'est qu'on puisse les aborder tout au voilà, long de ces entretiens. Et Agama devienne le laboratoire d'un questionnement contemporain.